gagné un dirigeant politique, Chilé Ludor, qui continue à critiquer complètement camarade d'opposition Lyo, qui décide de rentrer dans le pouvoir Ariel Henry, qui s'est protégé en ses présidents Michel Joseph Martelly. Pour parler l'opération tête ensemble, n'a persuadé si ses présidents Jovenel Moïse a quitté le pouvoir dans l'année 2018 et puis 2019. Pays a tapé mal, passé Jean-Louis Kouniala, l'a considéré façon ancien opposant à gérer le pouvoir Ariel Henry contre intérêt massieux. Chilé Ludor encourage l'application à Comontana qui présentait un projet de transition riptique à déboucher sur une conférence nationale. En côté, Dr. Chilé Ludor, dans le micro Romanès samedi. Oui, camarade d'opposition, monsieur, je vais dire ma c'est dans qui fait 5 ans, il y en a qui fait 10 ans, vous m'avez. Je respecte mon ego, je m'aime mon ego. Oui, tout ça, vous avez contre mon ego, là, je vais dire ma gueule. Si je suis là, oui, là. On est à faire André, on va faire un bagage là. Non, non, ouais, comme si nous avons la manifestation, vous avez dit mettre André Vigne, on est dit pour aller agresser. Moi, je ne vais pas agresser mon vent. On brise ça. On ne doit pas d'accord ça, qui est passé là. Pas d'accord. Mais c'est dans qui fait 5 ans Goumen. Monsieur Goumen a fait Petro Caribé. Monsieur Goumen, mais là, dans le dernier moment, tout faut, monsieur, d'accord, il prend bagage là, il gâte. Quand il y a moi-même qui ça me voulait montrer le tout ça. Bon monsieur, nous faisons 5 ans, nous disons Matéli c'est diable là. Et qui nous dit diable là, c'est Matéli vrai. Matéli prend tout l'argent Petro Caribel gâté. Jovenel vient à Koukavane, il gâté. Il mangeait tout l'argent. Jovenel Matéli assassine, vole le monde belle, tout partout, au caille, tout partout, c'est Mac, la saline, mon mouri. Nous rendons compte de ça, deux necks ça ont fini à payer. Bon monsieur, qu'on y a là. On imaginait que en 2018, 2019 et 2020, nous même équipe ça, dans une grosse manifestation, nous qu'on a fait. Pas de la lima avec l'ambassade américaine, t'es qu'un béjou, mais c'est ça qui fait le bas tomber. Bon, il t'est tombé. Qui m'a dit qu'il n'a pas pouvoir? C'est nous, monsieur. Il compris moi-même tout, on t'a pas dans. Moi, comme moi-même, c'est une confiance nationale, on d'abord aller. Je n'ai pas de responsabilité, parce que ça me d'abord le faire. Bon, ok. Nous t'es pour pouvoir. Pour nous te mettre triptyque, ça nous t'a parlé de l'IA, transition de rupture, conférence nationale, changement système. Ouais, monsieur, 7 février 2021, nous dit nous pas reconnaître un lien Jovenel posé comme acte. Qui m'a dit nommé Ariel Henry, Jovenel Moïse. Qui ça Ariel Henry est, même PHTK, sous Michel Martelly, reste avec Michel Martelly. Bon, comment pour on expliquer que nous avons même pour pouvoir 2018, nous avons tout respect pour vous, mais qu'on y a mettez doute dans tête. Pour me dire que nous allons jouer Ariel Henry. Bon, monsieur Ariel Henry, il y a 8 mois, 9 mois là. Qui ça qui change? Et sécurité pirate. Nous avons dit que nous avons fait encore en septembre qui t'a parlé de toute bagaille ça. Yo. Les noirs Ariel Henry depuis 2 mois, 3 mois, pas faire. Nous disons Ariel Henry, attendez, ou te dis moi fais pour ce Petro Caribé côté. Ou te dis moi fais pour cette massacre la saline belle. Côté, comment est-ce que c'est menti ou bail, mon chem quito. N'a toujours été avec Chilé Ludor qui minimisait commission médiation Ariel Henry. Il mettait sous pied pour Chilé Ludor, commission sur stratégie pour faire temps passer pendant Ariel Henry continue à valer terrain. Militant politique n'a rappelé aucune commission pas qu'à mettre sous pied sans approbation protagoniste qui doit entendre sous choix chaque grand membre commission médiation ça. En côté Chilé Ludor toujours dans le micro Mané samedi. Ah, d'accord que l'élec dit moi-même pour un top national. Mais Omanes, comme on peut le dire, nous venons en commission, c'est ça que je dis dans l'émission à tout, qui est OG, c'est cela. J'ai du respect pour Monsieur Beauvoir, j'ai du respect pour tout le monde. Mais gros problème, là, il y a deux camps en face. Pour faire commission, fort, c'est les gens qui sont antagoniques, qui ont discuté au chaque fois les représentants, yo, et que, qui ont discuté avec les médias, nous avons fait des médias. Mais comment pourrait être. Et monsieur, ça qui a fait là, pas un lien. Je vais tout expliquer une fois, une minute. Même si vous avez un job à Ariel Henry, c'est job ça, commission médiation. Qui est job à Ariel Henry? Mon cher, Pabli est son esclave et des champs, son esclave non et moyen. Nous, ça nous fait pour nous mettre des armes. Nous mettons munitions là, nous avons sec les Port-au-Prince, nous avons sec les pays. Vous savez ça vous fait? Assurons que politique d'encerclement fait là, esclavion était docile là, et chaque jour parle, tout y est de toi, kidnapper, assassiner, puis qu'il y ait équilibre là, parce que nous avons Ukraine à gérer, nous avons taux d'inflation aux États-Unis, 7,5 fois nous gérer. Là, nous finissons de gérer, nous avons si on met à l'aise, ou bien si nous avons voué, nous avons Léon Charles, après Léon Charles. C'est politique ça, mec, en fait. Eh ben, comment pour commission médiation, ou créer à fond, on sait où qui met crise là,
Ariel Henry, c'est vous qui mettez ça parce que vous êtes tellement confortable. Vous venez d'envoyer l'ISS là dans le département de tellement confortable. Mais attendez, et pas l'ISS vous l'ISS là. Attendez, c'est même gentil. Vous pensez à M. Faure l'autre jour. Ambassade américaine et l'autre. M. Faure, nous suivons l'événement aussi. Chaque année, 2-3 semaines, l'ambassade américaine paye 60 machines. Mais vous gardez l'aide. Pour yon go esclave là, esclave pas bay tout, hier avant yon l'esclave dit bay 16. Bay 16. Message nous bon bay, pour yon dou bay tout. C'est ça, Ariel Henry, de son esclave qui est là. Commission et pour perdre du temps. Et pas perdre du temps, commission, pas perdre du temps non? Non, pour au moins retarder nous, mettre plus de temps. Nos commissions, en fait, faire nous dodo là. Ça veut dire, mais on met aux commissions, on va parler de discussion sous lit, pas d'accord, pas d'accord. Après, on vient de mettre un tel sorti, Trois fois, Matin, il y a réseau national qui a défendu à Mounio qui a attiré l'attention de Rité aussi en plan. Il dit la carte manigassée pour craser prison civile à Croix-des-Bouquets. C'est gang 400 Marozo qui a préparé Koussa d'après on lettre RNDDH. Voyez bien responsable d'Aplan qui c'est Pierre-René François. Marie-Rosie Auguste du Sénat dressé en table sonde sous façon. Prison ça a fonctionné. Côté ces prisonniers qui a recevoir colis. Prison 1, pas des coulants. Prisonniers pas jeune manger. Bien atteint. D'après Marie-Rosie Auguste du Sénat, qui était dans le micro, Jean-Philippe Massé. Date 14 avril 2022, RNDDH a adressé une lettre tout l'ouvrir par le directeur d'administration pénitentiaire là pour attirer l'attention sur sa capacité dans la prison civile Croix-des-Bouquets. Et c'est une lettre que RNDDH a dévoué après la dernière visite qu'il a fait dans la prison ça, dans la date 12 avril 2022, côté qu'il a observé que la situation prison qui était déjà grave depuis quelques mois a dégénéré. Par exemple, quand il était agent qui est affecté dans la prison pour sécuriser le bâtiment et puis pour garder les détenus, ce n'est pas suffisant. Détenus ont passé toute journée dans la cellule, même sorti ou pas sorti pour le calbain. Ces détenus qui ont recevé, je ne veux dire, à manger avec colis dans la prison, une situation qui a facilité objets illicites et surtout des objets non autorisés entrer dans l'espace de détention, comme téléphone, marijuana ou bien toute autre qualité de drogue. Zam, objet qui a coupé et l'a trié. Quatrièmement, prison ou en pagain courant. C'est dans le fait noir, la direction administration pénitentiaire a mandé à agent pour faire travail de gardio, ça qui est impossible naturellement. Et cinquièmement, infirmerie, pagain matériel, pagain médicaments. Docteur avec infirmière, toujours présent, mais ça n'est pas utile en rien. Mettez sous tout ça, nous dit là, yo, toujours bien alerte sur prison, quoi des bouquets, parce que dans le Sama Ozo toujours a menacé pour y craser prison. Et beaucoup de paillots toujours gagné des détenus qui a menacé pour y évader. Par exemple, et dernière fois, il a menacé que y a passé cette pacte-là dans prison. Donc, beaucoup de paillots dans RNDDH, nous avons trouvé que c'était important pour attirer l'attention de la direction administration pénitentiaire sur tout ça que nous sommes dit là. Et c'est ça qui expliquait l'ETSA. Et c'est une lettre que nous avons conclue avec des recommandations bien précises. Côté que nous demandons direction administration pénitentiaire pour prendre menace évasion détenus avec menace attaque prison en très au sérieux. D'ailleurs, nous avons quand même rappelé que différentes attaques qui sont faites dans la prison civile Croix-des-Bouquets ainsi que évasion qui est faite dans la prison civile Croix-des-Bouquets toujours venues après que gagnent des rumeurs comme ça qui ont circulé en dans la prison et toujours après que gagnent des menaces de l'extérieur. Et nous demandons DAP tout pour augmenter sans délai le nombre d'agents qui sont affectés dans la prison civile Croix-des-Bouquets pour lui assurer que les détenus passent au moins une heure de temps par jour en plein air et puis permettre que vous gagnez pour vous bailler des détenus ont un repas qui équilibré dans le respect menu que la direction administration pénitentiaire établit pour les agents et le matériel adéquat pour être capable de garder des détenus, pour augmenter l'argent prison pour lui acheter gaz pour Delco à fonctionner et puis finaliser l'installation panneaux solaires en la prison. Réseau national cap défend droit mounio dit regrette autorité au pajam prend au sérieux menace qui plane sous tête prison ça mauvais la vie prisonnier ap konnen dernier temps ça yo capable provoquer un gros levé campé ou bien invasion dans en prison c'est là un côté Marie-Rosie Auguste toujours dans micro Jean-Philippe Massé.
Au niveau de l'RNDDH, nous sommes toujours très préoccupés par le fait que la direction administration pénitentiaire n'a pas pris menace au sérieux et donc il n'a pas jamais augmenté la quantité d'argent qui est affecté à la sécurisation du bâtiment prison ou même qui est affecté à la garde détenue. Cependant, dans ça qui vient à voir la dernière menace qui a circulé sous prison civile, quoi des bouquins, nous espérons que vous prenez au sérieux parce que les gens que nous disent, ils ont correspondance à que nous voyons par le directeur administration pénitentiaire là, conditions générales. De détention, je ne dis pas en prison, ça est tellement inhumaine, tellement dégradante que vous même pour compte par eux et de manière totalement isolée, capable de déboucher sur des cas de mutinerie, des cas de mouvement concerté en dans prison civile quoi des bouquets et même sur un cas de évasion. Voilà la déclaration responsable programme RNDDH, la Marie-Rosie Auguste du Sénat, qui lui-même, RNDDH, qui a pas tiré attention autorité là sur ensemble situation, surtout dans le centre carcéral New York. Le point d'actualité.